Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le multijoueur de Call of Duty Black Ops Cold War pour la présentation des nouvelles armes consacrées aux fusils tactiques CARV 2 ainsi qu'au pistolet AMP 63. Deux armes qui sont sorties pendant la saison 3 et que l'on peut débloquer via des défis. Et si je devais donner un thème à cette présentation des nouvelles armes, ce serait clairement Black Ops 1. Parce que vous allez le voir, ce sont deux armes qui proviennent de Call of Duty Black Ops 1. Et ça fait plaisir. Bref, il est temps de commencer avec la présentation de la CARV 2. Fusil tactique avec tir en rafale, puissance de feu modérée avec un contrôle du recul amélioré et une réserve de munitions accrue. Efficace à moyenne et longue distance. Et je pense que vous l'avez compris, la CARV 2, du coup, c'est ni plus ni moins que la G11 de Black Ops 1, qui était du coup le fusil d'assaut caché du jeu, c'est-à-dire que tu le débloquais vraiment à la toute fin. Il était caché initialement, donc vraiment, tu pouvais même pas savoir qu'il existait la première fois que tu lançais Black Ops 1. Tu disais, ok, il y a ces fusils d'assaut, il y a la K47, il y a le FAMAS, mais le G11, lui, il était caché, c'était sa petite particularité, même si la plus grosse particularité du G11 sur Black Ops 1, c'était, on va dire, le design de l'arme qui était quand même assez atypique. L'arme était très imposante en fait quand t'étais in-game. Et voilà, ça faisait en même temps tout le charme du coup de la G11 à l'époque, surtout que c'était une arme très efficace sur Black Ops 1. Et je peux vous le garantir, hein, même si bon, je rentre peut-être un peu trop dans les détails, mais la CARV 2, elle rend bien honneur à la G11 au niveau efficacité. Oh, vous pouvez vraiment compter sur cette arme, vous inquiétez pas. Il y a vraiment de gros carnages à faire en tout cas avec cette CARV 2. On va rentrer un peu plus dans les détails de toute façon avec forcément le petit combo d'accessoires que je peux vous conseiller sur cette arme. Et même parler après davantage de cette dernière, mais ça ce sera plus pendant le gameplay avec cette dernière. Bref, 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 commençons donc avec la petite classe. Alors, il va y avoir deux classes avec cette CARV 2. Une classe un peu G11 du coup en mode Black Ops 1, même si pas à 100% parce que sinon j'aurais mis un gros viseur et là on aurait vraiment été en mode Black Ops 1. Mais ça du coup c'est la classe que je vais plus conseiller, c'est celle-ci. Mais après du coup on aura une classe un peu secondaire hein, si je puis dire, mais qui pourra quand même être très très efficace. Après ça dépend de l'utilisation, une utilisation un peu différente. Mais voilà, ce sera cette classe que je vais quand même vous présenter dans un second temps. Donc commençons par celle-ci, vraiment la classe principale. Tout d'abord, premier accessoire, hein, ce sera du coup une bouche, le fameux silencieux agency, qui permet du coup d'avoir une dissimulation du flash, un meilleur contrôle du recul vertical, et du coup une vitesse des balles qui sera un peu amoindrie, pas si grave, hein. Tout ce qui compte là, c'est déjà qu'on va avoir un petit silencieux, qui va être forcément très utile. En plus, le contrôle du recul vertical qui fait plaisir, même si bon, sur cette arme, c'est pas forcément la stat la plus nécessaire à booster, parce que vraiment, la G11, elle ne bouge pas. Elle est ultra précise. Je voyais des mèmes comme ça passer sur Twitter justement à propos de cette arme, comme quoi tu posais quelque chose sur la crosse de la CARV 2, en plus il y a de la place, bah tu peux tirer en même temps en ayant du coup ce petit objet sur la crosse, t'inquiète pas, l'objet ne bougera pas, il restera bien implanté sur la crosse, tellement que cette CARV 2 n'a pas de recul. Et ça c'est plutôt bueno. Ensuite du coup deuxième accessoire, ce sera un canon, l'équipe d'intervention 20.8, permet d'avoir plus de dégâts, meilleure cadence de tir. Donc là, on va pas cracher dans la soupe, ce sont deux très bonnes statistiques à booster. Inconvénient du coup, porter des dégâts et contrôle de l'oscillation. Alors contrôle de l'oscillation, soit t'es un sniper, j'aurais dit, ouais, ça peut être un peu désagréable d'en perdre. Voilà, c'est un fusil tactique, donc vraiment c'est une stat, on s'en fout. Clairement le contrôle d'oscillation, ça n'aura aucun impact quand on va jouer avec cette CARV 2. Ensuite, troisième accessoire, c'est la fameuse, mais oui, l'indispensable poignée avant d'agent de terrain. Ah, c'est l'équivalent de la poignée avant de tir d'élite hein, sur Modern Warfare. Meilleur contrôle du recul du coup vertical et horizontal. Bien d'ailleurs au niveau horizontal, c'est ultra bien boosté. Inconvénient du coup vitesse de déplacement en tirant. Le quatrième accessoire, que j'ai pas l'habitude d'utiliser, mais en même temps sur cette CARV 2 on peut se le permettre, c'est le chargeur attaché pour recharger plus rapidement. 20% du coup de rapidité de chargement. D'habitude, je suis habitué du coup à mettre plus de balles hein, dans le chargeur, donc équiper plutôt le premier chargeur qui accroît cela. Mais de base, en fait, avec cette CARV 2, on a l'avantage d'avoir 45 balles. Donc on a limite déjà en fait un chargeur amélioré. Parce que souvent sur une arme,
soit d'ailleurs un fusil tactique ou un fusil d'assaut, quand tu mets un chargeur amélioré, en tout cas le premier, tu vas être dans les environs effectivement des 45 balles. Là, initialement, tu as déjà 45 balles. Donc autant augmenter du coup la rapidité du rechargement, plutôt qu'augmenter encore ce chargeur, surtout comme vous pouvez le voir, quand tu mets ce premier chargeur, le chargeur à tambour, tu gagnes seulement 9 balles. On va dire que c'est pas ultra worth pour 9 balles en vrai. Les 45 que tu as déjà de base, ça suffira largement. Et on termine donc avec le dernier accessoire. Lui aussi, c'est un incontournable. C'est le revêtement élastique des troupes aéroportées pour du coup viser plus rapidement. C'est ça sa principale utilité. Plus 30%, ce n'est pas rien. Résistance au tressaillement tout de même, ainsi qu'une meilleure visée en position allongée. Inconvénient sera du coup la vitesse de déplacement tirant et le temps de transition du sprint au tir. Donc voilà pour ce combo d'accessoires pour cette classe. Vous allez voir que vraiment on sera en mode full précision avec cette configuration psy, même si bon en fait tu mets pas d'accessoires du tout. Tu seras limite déjà sur le 100% de précision, mais là encore plus. Du coup là vraiment elle va pas bouger d'un poil, tout en ayant quand même une sacrée efficacité. J'en dis pas plus, de toute façon vous verrez ça in-game. On présente quand même rapidement la seconde classe hein, qui on va dire sera plus optimal peut-être dans les situations de très longue distance. C'est pour ça d'ailleurs que, comme vous pouvez le voir, il y a un viseur là cette fois-ci, et un viseur même x3, c'est le premier accessoire. Donc là, ouais, c'est plus par exemple en bombe sale, voire même en armes combinées, là où vraiment tu te retrouves dans des situations de longue distance, cette classe fera vraiment l'affaire. Sinon, vaut mieux opter du coup pour la première classe que je vous ai présentée. Donc on commence avec le viseur x3, ensuite compensateur du coup d'infanterie. Pour avoir plus 25% du contrôle du recul vertical. Donc là, je préfère avoir encore plus de recul. Donc, je préfère prendre cette bouche par rapport du coup au silencieux agency hein, sur la classe initiale. Après, du coup, en canon, je prends celui-ci, le corps expéditionnaire 22.5. Donc là, tu vois, c'est quand même une classe complètement différente. Hein. C'est pas quelques accessoires que je vais changer. Non, la plupart sont bah, tous changés en fait par rapport à la classe initiale. Donc là, 8% de dégâts en plus, 33% également de portée de dégâts en plus. Et plus 50% de vitesse des balles. On va perdre en précision, mais vu que j'ai un viseur, du coup, bah, la précision finalement, on va dire qu'elle est un peu améliorée, surtout pour des situations de longue distance. Donc c'est pas si gênant de perdre en contrôle du recul vertical et horizontal. C'est pour ça que j'opte du coup plus pour ce canon qui lui bah, sera bien plus utile dans les situations justement de longue distance, grâce à tous ses apports. Bon, on garde quand même la petite poignée avant d'agent du terrain. Donc là, vous connaissez. Et pareil, du coup, pour le revêtement, on garde le même pour viser toujours aussi rapidement. Donc voilà, ça c'est pour la deuxième classe, plus dans des situations de longue distance. Et clairement, moi, dans le cadre là du gameplay, je jouerai de toute façon avec ma classe initiale, donc celle-ci, en mode G11. Voilà, vu qu'on sera de toute façon en MME, donc naturellement plus dans des petites maps. Et même si on est dans une map un peu plus grande de style satellite, je jouerai quand même avec de toute façon cette configuration. Donc voilà pour la carte 2. Ou la G11 si vous préférez. De toute façon, je vais l'appeler G11 hein, tout au long de la vidéo. Et ce sera pareil pour du coup la prochaine arme. Et la parfaite transition du coup pour la présenter. Et oui, la fameuse du coup AMP63. Pistolet automatique, cadence de tir rapide, vitesse des balles améliorée et recul modéré, bon dégâts à courte distance. Alors l'AMP63, c'est une arme un peu plus, on va dire, OSEF qu'on avait sur Black Ops 1. Elle s'appelait du coup la PM63. Effectivement, c'est pas l'arme dont on se souvient comme ça en un claquement de doigts. Bon, elle était plutôt secondaire. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir sur Black Ops 1, c'est que, bah, en fait, tout comme hein, la carte 2 qui est là, du coup, un fusil tactique, alors qu'à l'époque sur Black Ops 1, c'était un fusil d'assaut, là, la MP63, c'est un pistolet. Sauf que, du coup, sur Black Ops 1, la PM63, vu qu'elle s'appelait comme ça, c'était une mitraillette. Après, en somme, qu'elle soit devenue un pistolet, ça change pas grand-chose, parce qu'en vrai, sur Black Ops 1, ça faisait limite office, oui, déjà de pistolet automatique. Bon, à l'époque, ça n'existait pas vraiment, tu vois, les pistolets automatiques sur les Call of Duty. En tout cas, on n'en avait pas beaucoup. C'était très rare. Donc, ouais, ils avaient peut-être plus privilégié le côté mitraillette, même si je pense qu'initialement, c'est quand même plus une mitraillette, cette arme. Mais là, du coup, voilà, ils l'ont casé plus, du coup, dans les pistolets, parce que c'est vrai qu'en termes de mitraillette, elle galère un peu. J'ai pas énormément de souvenirs, en vrai, de la PM63 sur Black Ops 1. Mais ce dont je me souviens, c'est justement que c'était une arme plutôt oubliable, loin d'être une arme très efficace. En même temps, sur Black Ops 1, il y avait justement beaucoup de mitraillettes qui étaient un peu laissées de côté. T'avais l'AKU, t'avais la MP5 qui dominait beaucoup en termes de mitraillettes.
Et après, tout le reste, en vrai, elles étaient très oubliables. Hein. T'avais la MPL, qui elle aussi est de retour sur ce Black Ops Cold War, sous forme d'LC-10. Bon, là, elle n'est pas du tout oubliable hein, sur Black Ops Cold War, vu que c'est l'arme la plus puissante du jeu, la LC-10. On a du coup maintenant également la PM63, voilà, qui fait son retour. Et même prochainement, du coup, sur Black Ops 1, t'avais la Kiparis aussi, qui était plutôt oubliable. Elle fera son retour sur ce Black Ops Cold War avec la saison 4, cette saison 4. Donc, tu vois, ils remettent quand même toutes les mitraillettes de Black Ops 1. Même si, ouais, pour la plupart, elles étaient quand même assez OZEF. Donc, c'est le cas de cette PM63. Ça fait quand même plaisir de revoir cette arme, voilà, vu que c'est une arme qu'on avait sur Black Ops 1. Mais c'est pas du tout l'arme la plus efficace à l'époque. Donc, on va voir ce que ça donne hein, sur ce Black Ops Cold War. Est-elle meilleure, surtout en étant cette fois-ci un pistolet? On en parlera plus, de toute façon, une fois qu'on sera in-game. En attendant, je vais vous présenter quand même ma petite classe que je peux vous préconiser. Alors, double classe. Sachant que là, c'est pas forcément comme pour la carte 2 où, dans une situation, tu utiliseras plus l'une, dans une autre situation, plutôt l'autre. Là, en vrai, tu peux utiliser très bien l'une comme très bien l'autre. Il n'y a pas forcément de préférence. Alors, j'ai quand même si une micro-préférence pour l'une des classes, mais c'est du coup la deuxième que je vous présenterai, parce que là, on va commencer par la première classe en mode simple. Simple, parce que du coup, l'autre sera en Akimbo. Voilà l'explication. Et plutôt simple. Donc là, du coup, pour cette configuration vraiment PM63 comme à l'époque de Black Ops 1, on commence du coup avec une petite bouche, l'éliminateur SOCOM, pour avoir du coup un meilleur contrôle du recul vertical. Bon, on a une petite dissimulation du flash également, mais ça fera pas office de silencieux. Et en inconvénient, du coup, vitesse de déplacement en tirant et contrôle du recul horizontal plutôt, qui sera un peu amoindri. De toute façon, on va en gagner du recul horizontal un peu plus tard, vous verrez. C'est pas si grave. On enchaîne avec le canon, qui sera du coup le lourd renforcé 6.1, qu'on a souvent sur la plupart des armes. Le fameux canon qui permet du coup d'avoir plus de portée dégâts et plus de vitesse des balles. Donc là, c'est effectivement ce qu'il offre. Vitesse de déplacement tirant et vitesse du coup de marche en visant seront les inconvénients. Pas très pénalisant quand t'as un pistolet, tu sais qu'il est quand même très rapide en termes de vitesse de déplacement et autres. Donc là, vraiment, on va pas sentir la différence avec ou sans ce canon pour les inconvénients, en tout cas de déplacement. Troisième accessoire. C'est un petit viseur, le laser visé stable du coup, donc le laser initial. Précision du coup du tir rouge qui sera améliorée forcément, c'est le but. Mais seulement de 15%, c'est pas énorme. Mais en même temps, si on met après les autres viseurs laser, on va avoir une augmentation du temps de visée, donc c'est pas trop ce que je recherche, donc je préfère rester sur du conventionnel. Après, on a du coup le chargeur. C'est le chargeur Stanag de 25 cartouches, hein, que je vais plus préconiser. Alors. Pareil finalement que la carte 2, là je fais une petite exception parce que je suis beaucoup plus habitué à prendre le premier chargeur. Sauf qu'ici, bah, la petite AMP63, elle a pas beaucoup de balles. Elle a que 20 balles. Quand tu 20, 22, oui, 20 balles, c'est ça, quand tu commences. Donc avoir 25 balles, je pense que oui, c'est plus que profitable. Et tu peux pas plus augmenter finalement le chargeur. Non, c'est 15 balles d'ailleurs, je dis conneries, c'est pas 20, c'est 15, c'est encore pire. Initialement, t'as que 15 balles. Donc ouais, si tu peux passer à 25 balles, tu dis pas non, sachant que oui, tu ne peux pas augmenter davantage en fait le chargeur. Et d'ailleurs, oui, quand je regarde, effectivement, c'est le seul chargeur de toute façon qui octroie autant de balles. Vous pouvez voir, bon, il y en a qui vont du coup même pas t'octroyer finalement plus de balles, ce sera juste la rapidité de chargement. Bon, d'autres qui vont t'octroyer quand même 22 balles, comme le tout dernier chargeur. Ça fluctue, tu vois. Mais vraiment, le plus intéressant, oui, c'est clairement celui-ci, on va avoir 25 balles. Là, on s'approche un peu plus d'une mitraillette conventionnelle. Si bon, on n'arrive pas non plus aux 30 cartouches. Et vraiment, c'est du coup une mitraillette conventionnelle sans avoir un chargeur amélioré. Forcément, faut le concevoir. Mais bon, on va dire que ça reste plutôt intéressant parce que c'est pas non plus le pistolet automatique avec le plus de cadence. Donc, t'as beau avoir que 25 balles, vous verrez, elles partent pas non plus si rapidement. Donc, ça reste totalement gérable pour ensuite enchaîner les adversaires. Donc oui, 15 balles vraiment initialement hein, pour cette MP63, tu vois, même moi j'avais oublié, je pensais dans ma tête c'était 20. Non, c'est bel et bien 15, donc c'est très très peu. Après du coup, dernier accessoire, c'est le revêtement élastique des troupes aéroportées, toujours le même. Plus 30% de temps nécessaire pour regarder dans le viseur, du coup oui, on va viser plus vite. Surtout après avoir mis ce chargeur, c'est bien utile. On a du coup une meilleure résistance au tressaillement, meilleure également visée en position allongée, donc c'est tout comme hein, le fameux accessoire que j'avais mis de toute façon sur la carte 2. Et en inconvénient, vitesse de déplacement en tirant qui sera amoindrie, tout comme le temps de transition du sprint au tir. Mais je le répète, de toute façon, ce genre de statistiques sur un pistolet, ça change rien, quoi. On est déjà très rapide, donc vraiment, si on perd là-dessus,
c'est pas grave du tout. Donc voilà pour cette première configuration en mode vraiment normal, en mode comme à l'époque, en mode mitraillette de Black Ops 1. Donc voilà, une configuration qui fait plutôt bien le taf, de toute façon vous verrez in-game, parce que là, pour la petite PM63, je jouerai de toute façon pendant le gameplay avec les deux configurations. On switchera, mais on fera une moitié de game avec cette configuration, et une autre moitié de game avec du coup l'autre configuration que je vais vous présenter dès maintenant, en mode Akimbo. Celle-ci, oui, elle est particulièrement intéressante, j'ai un petit faible, on va dire, plus pour celle-ci que pour l'autre, parce que là vraiment on va pouvoir rusher en tous les sens, tout en étant quand même sacrément létal. En Akimbo, vraiment, la PM63, elle fait très mal. J'en dis pas plus, mais elle fait très mal. Pour les accessoires, du coup, cette fois-ci, en termes de bouche, je vais prendre le silencieux agency. Donc, on inverse, hein, finalement, tu vois, par rapport aux configurations sur la carte 2. Là, cette fois-ci, c'est la deuxième classe qui est armée du silencieux agency. Donc, meilleur contrôle du recul vertical. On a le silencieux, donc dissimulation du flash par la même occasion. Et une portée de dégâts qui amoindrit, mais vu qu'on la joue en mode Akimbo, qu'on perde de la portée, c'est pas grave du tout, vu qu'on sera forcément, de toute façon, à courte distance. Donc ça, c'est très très bien pour le petit côté discrétion, on va pouvoir bien rusher les camps adverses sans se faire repérer. Et vraiment là, on va foncer dans le tas avec une telle configuration, de toute façon. On garde par contre le même canon, donc ça, ça ne change pas. Ensuite, on passe du coup sur le petit corps, viseur laser du coup 5. Plus 30% de précision de tir au jugé. On perd du coup un peu de vitesse de visée, mais on s'en fout vu qu'on est en Akimbo, on ne vise pas. Donc là, on peut vraiment se permettre d'équiper le meilleur viseur laser. Et c'est donc le cas sur, sur cette classe. Ensuite, en chargeur, cette fois-ci, on prend le dernier. Alors, j'aurais très bien pu opter du coup pour celui-ci, vu qu'il nous permet quand même d'avoir les 3 munitions supplémentaires. Sauf que là, vu qu'on sera en Akimbo, on peut dire qu'on a doublement des munitions. Donc autant profiter de la rapidité de chargement de ce chargeur pour le prendre. Certes, on perd du coup un maximum hein, de temps de visée, mais encore une fois, vu qu'on ne vise pas, on s'en fout. C'est le genre d'inconvénient qui partira directement à la poubelle. Donc oui, profitez-en vraiment pour prendre le tout dernier chargeur dans cette configuration Akimbo. Et forcément, bah, le dernier accessoire, ce sera l'Akimbo en lui-même. Hein. Donc voilà pour cette configuration. Alors, petit truc quand même supplémentaire au niveau du canon. En vrai, il peut y avoir une alternative tout de même. C'est concernant du coup, oui, ce canon, le Corps Expéditionnaire 6.4, que tu peux prendre finalement en alternative du lourd renforcé 6.1. Alors, je préfère quand même le lourd renforcé 6.1, mais c'est vrai que lui peut être assez efficace, du fait que tu gagnes quand même en portée, en vitesse des balles, et légèrement en dégâts. Le petit bémol selon moi, et c'est pour ça que je préfère l'autre canon, c'est que là, avec celui-ci, tu vas quand même perdre beaucoup en termes de précision, et t'as beau du coup le jouer là au jugé, donc en Akimbo, tu vas quand même sentir le fait que tu as beaucoup perdu du coup en précision et que le recul va quand même être présent, même en Akimbo. Donc ça peut être quand même utile, surtout je pense dans des situations quand même de courte distance, donc vraiment quand tu es sur des maps telles que Nocturne, Hijacked, là je pense que oui, tu peux te permettre d'opter pour ce Corps Expéditionnaire 6.4. Sinon le mieux vraiment, c'est celui-ci. Donc voilà, on partira quand même de toute façon dans l'optique de ce canon. Mais après, il peut y avoir toujours une alternative avec celui-ci, voilà. Donc je voulais quand même vous préciser tout ceci. Et bah dis donc, cette présentation dans les menus, un peu sommaire, même si là c'était pas vraiment le cas, a été bien longue. Mais en même temps, ouais, il y avait tellement de choses à dire sur ces deux armes, tellement de classes même à détailler, que c'est pas si étonnant. Il est temps de passer au gameplay avec une partie à la G11 et une autre à la PM63. Sachant qu'il y a vraiment moyen de faire du très très lourd in-game, vu le potentiel d'efficacité de ces deux armes, il est donc temps d'y aller. Let's go! Alors quand je vois ça, je me dis directement, ouh, j'aime bien Satellite pour cette première partie. Ah bah là, je me jette directement sur la G11, sans hésiter. Vraiment, c'est le type de map où normalement, je vais bien pouvoir montrer l'efficacité de cette arme, son gros potentiel dans des situations de moyenne et longue distance. Donc là, normalement, on devrait se faire plaisir sur Satellite. Le seul petit hic auquel on pourrait faire face, c'est les snipers. Il y a pas mal de snipers en face qui se cachent un peu dans les dunes. Oh, ça pourrait être un peu plus compliqué. Mais si en face, ils sont avec des fusils d'assaut, bon, même d'autres fusils tactiques, normalement, avec la G11, on les fume. Là, je pars confiant quand même. Hein. C'est juste les snipers qui peuvent me faire un peu peur. Donc voilà, première partie avec la G11, et on enchaînera ensuite avec la PM63. J'essaierai peut-être quand même de trouver une plus petite map avec la PM63, si possible. J'ai pas un exemple là, tu vois, mais bon, il y a certaines maps forcément où t'es un peu plus à longue distance. Donc pour l'heure, pour la PM63,
C'est plus compliqué. Mais en tout cas là, on se concentre sur la G11. Magnifique d'ailleurs, on est en noir. Regardez-moi ça. Ah mais c'est comme sur Black Ops 1. D'ailleurs sur Black Ops 1, quand t'avais le camouflage or sur la G11, c'était mais splendide. C'était magnifique. Ah, lui déjà il s'est fait sniper. Donc là, c'est la même chose de toute façon. Hein, sur ce Black Ops Cold War. Avec les Terre Noire du coup cette fois-ci. Même si ça pourrait également être valable avec, avec l'or, parce que l'or de Cold War est à peu près le même que Black Ops 1. Il n'y a pas une grande différence là-dessus non plus, donc vous pouvez retrouver effectivement une petite comparaison. Hop, oh lui, on l'a fumé, tu vois, au corps à corps. Et ça commence plutôt bien pour l'instant, les affaires. Je vais pas dire que les affaires reprennent, les affaires commencent plutôt. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Cette puissance, cette efficacité avec la G11, la CAV 2. Je crois pas que... Non, ça passe spawn back, pas encore, en tout cas. Mais il y a quand même des mecs, tu vois, qui traînent dans les dunes. Hein, donc c'est le truc que je redoutais, mais pour l'instant, ça va, ça m'affecte pas tant que ça. Voire pas du tout. Pour l'instant, rien de grave. Alors lui, ouais, il est derrière le rocher. Oh, j'ai raté mon shoot. Oh, j'ai raté mon shoot, mais t'inquiète, après. Hein, putain, le one-shot en plus qui est sorti, ça c'est très rare, par contre, de one-shot. Avec la carte 2, de mettre une seule rafale pour tuer un ennemi. Pour la simple et bonne raison que bah elle a pas beaucoup de dégâts la carte 2. C'est un peu la stat faible de l'arme. Mais une stat qui est vite rattrapée, donc tu t'en fous finalement qu'elle ait pas beaucoup de dégâts et on en parlera un peu plus après, mais ouais, tu t'en fous clairement que la stat soit pas très élevée. T'as une autre stat justement qui rattrape absolument les dégâts. Et vraiment pour l'heure ça paraît pas très grave. Pas grave du tout. Oh ok, le noscope qui passe. Heureusement que lui par contre il avait plus de vie, sinon je pense que le noscope il aurait pas suffi là. Hein. Dans une telle situation. Enfin, j'ai du mal à savoir si le spawn il a vraiment tourné parce que t'as des ennemis d'un côté et de l'autre. Un peu le bordel là. Non, non, je crois qu'il a pas tourné en fait. Hein, le... Quoique. Oh non, mais. Je suis jamais sûr en fait. Tu retrouves finalement quelqu'un dans ton spawn, tu te dis. Ouais. Peut-être que ça a finalement vraiment tourné le truc. T'as une moitié de joueurs dans un spawn et une moitié d'autres joueurs dans l'autre spawn quoi. C'est carrément ça. Bon, là, je crois qu'il y a quelqu'un du coup. Les alliés sont morts. Ils sont pas entretués non plus, donc... Bon, après, tu vois, je trouve personne. Hop, pas ici en tout cas. Attention. Ah, dommage, dommage, dommage. Il y a moyen de lui de pourtant de l'avoir, même s'il est un peu en net glitch. Ah, attends. Voilà, je vais me faire plaisir. Dans les dunes. Oh non. Bah non, putain, il y a eu deux mecs qui sont fait tuer là. Oh, le double vol. Oh, j'aurais quand même eu un kill, c'est mieux que rien, je repars pas bredouille avec ce missile. En plus, si je continue comme ça au niveau de la game, normalement, il y a moyen de sortir un deuxième missile de croisière. Donc, c'est pas si grave. Non, et je pensais qu'on dominait v'là la game avec les enchaînements que je faisais de kill, mais non, pour l'instant, la game est très serrée. C'est pas forcément bon signe, donc ça va peut-être dire que les alliés sont un peu à la ramasse. J'ai pas vu leur score et tout, mais ça va peut-être dire ça, je sais pas. Ok, oui. Oh, à la ramasse. Pas totalement non plus, mais ouais, ils font pas des gros scores non plus. Hein. Oh, regarde-moi ça, là, lui. Ah, dommage, dommage, dommage. En vrai, des mecs comme ça qui sont en net glitch, pour la géon, c'est pas tant que ça un problème, parce que vu qu'elle est très précise, et que elle peut faire très très mal aussi, même si elle a pas beaucoup de dégâts, bah, des mecs comme ça, t'as vite fait, n'empêche de les tuer. Hein. Avec leur petite tête qui dépasse comme ça, bon, là, tu vois, j'ai pas eu le temps de tirer, il a réussi à mettre la balle de snipe avant, mais... Il y a quand même moyen de s'en sortir hein, face à de telles situations. Et là, on va peut-être prendre la hauteur. J'espère qu'il y a un mec derrière. Non, c'est bon, ça passe. Ouh, dommage. Dommage, dommage. Je vais peut-être rusher le middle avec ma machine de guerre. Parce que là, ils ont l'air d'être assez nombreux au middle. Ouais, tu vois, à part un mec... Oh non, 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 je regardais le score. C'est bon. Putain, heureusement que vraiment, ils ont patché cette mine à gaz. Hein. Enfin, ils l'ont nerf surtout. Sinon, hein, l'ancienne mine à gaz, elle m'aurait tué là. Hein. Juste par inadvertance, parce que j'ai pas fait gaffe. Moi, ce que j'aime pas par contre sur satellite, à chaque fois, c'est la machine de guerre. Parce que souvent, avec les dunes et tout, t'es en contrebas par rapport à l'ennemi. Du coup, pour caler les grenades, c'est un enfer. C'est pour ça que, bon, là, tu vois, si j'avais eu le temps de changer, je l'aurais changé. Parce que machine de guerre sur satellite, c'est toujours cookie tout ça. Hop, et ça passe. Putain, ils nous attendaient bien. Alors, ils commencent à pas mal attendre, j'ai l'impression, les ennemis. Hein. Net glitch ou autre, mais ouais. Ah, faut faire attention, quoi. Bon, tant qu'on peut les rusher, hop, voilà, de cette manière. Oh, il y avait un autre, là. Oh, mais tu vois, lui, qu'est-ce qu'il foutait, là, à attendre au fond de ce spawn, là.
Genre à coup sûr qu'il y a quelqu'un qui arrive. Bon, oui, là, moi je suis arrivé, mais aucune certitude, hein. Hop. Vraiment zéro certitude. Voilà, tu vois, lui par exemple, gros de glitch qu'il était, eh ben on l'a quand même démonté avec la G11. Grâce à sa précision et à sa cadence. Parce que justement, voilà, ce sont vraiment les deux stats qui excellent hein, pour cette arme. Cadence plus précision, elle est incroyable hein, sur ces deux statistiques. Les dégâts du coup, assez faibles. Mais du coup, c'est pas un problème. On aurait pu dire que les dégâts, effectivement, ont été un point négatif pour cette arme, parce qu'ils sont pas très élevés. Surtout quand tu compares la Hog et à la M16. Et du coup, pour une arme comme ça, en rafale, c'est pas ultra bien. Mais en fait, la stat est directement rattrapée par la cadence. T'as tellement une très bonne cadence, surtout encore une fois pour une arme à rafale, que bah, tu vas en fait enchaîner les rafales presque comme si ton arme était automatique. Donc les dégâts même sont très faibles, bah, tellement que tu vas enchaîner les rafales, tu vas pas sentir finalement avec qu'ils sont faibles. Donc l'avantage il est surtout là en fait avec cette carte 2, c'est que t'as une stat elle est pas très bonne, mais c'est comme si elle était bonne, grâce à une autre stat. Donc ça ouais c'est beaucoup trop bien, c'est le Stonks. Oh par contre lui... C'est le Stonks, voilà, tu vois, et au corps à corps ça permet quand même de faire la différence. Parce que là du coup si on serait vraiment sur une stat de dégâts basse... Non c'est bon, la mine à gaz. Mais qu'en plus la cadence serait, allez, moyenne, on va pas dire qu'elle était mauvaise, elle serait moyenne. Au corps à corps tu peux rien faire avec l'arme en soi, elle serait pas du tout... Elle serait pas du tout efficace. Alors que là, même au corps à corps, avec la G11, tu peux faire la différence grâce à sa magnifique cadence et son magnifique enchaînement de rafales. Commence un peu à me saouler lui, hein. C'est pas la première fois qu'on le croise ici, voire même en total head glitch à attendre viseur fixe. Il est un peu relou, hein. La victoire est presque à nous. Il est un peu relou. Bon, au moins c'est mérité, on gagne face à eux, parce que là, ouais. Ils ont l'air comme... Oh putain de... Je l'avais même pas vu derrière son rocher. Vivement la fin de partie quand tu vois ça, hein. Là ça commence à trop camper, hein, en face. Enfin, je sais pas s'il nous a vu lui, mais... Allez, ah ça passe pas là par contre. Là t'as même pas hein, une partie de sa tête qui dépasse quoi, y'a rien du tout qui dépasse. Ah c'est bon la petite assist. Ouais sur la fin de game là ils sont ultra relous tu vois les ennemis. Et après bon pour la portée je l'évoque pas tant que ça tu vois pour cette G11 parce qu'elle est tout à fait normale. Voilà. C'est une stat normale. Pour un fusil tactique on a une bonne portée, elle est pas exceptionnelle. Mais ce qui compte le plus ouais du coup c'est vraiment la cadence et la précision qui rend cette arme incroyable. Et compliqué à rivaliser du coup pour d'autres joueurs qui ne joueraient pas avec dans une partie. Et hop, et là tu vois, ça finit très bien. Sur ce gros tir à longue distance, encore une fois, incroyable cette G11. Ça fait vraiment partie de toute façon, moi, de mes armes préférées hein, de ce Black Ops Cold War, de mes armes coup de cœur. Elle est tellement incroyable à utiliser, tellement kiffante, satisfaisante. On pourrait dire qu'elle est un peu cheatée, mais ça qui est le truc le plus bizarre avec cette G11. Alors, à sa sortie, tout le monde joue avec. Mais je dirais que c'est... tout le temps le cas en fait, quand il y a une nouvelle arme qui sort, tout le monde joue avec. Mais bizarrement, depuis maintenant peut-être le début de la saison 4, voire même un peu avant, il n'y a plus grand monde qui joue avec cette G11, alors que pourtant elle est sacrément efficace. Tout le monde joue avec la LC10, bon ça c'est un fait, c'est sûr, mais la G11, tu vois pas tant que ça de monde en fait joue avec, alors que pourtant elle est ultra efficace. Mais c'est parfois les mystères de Call of Duty, parfois t'as vraiment des armes ultra efficaces, mais tellement pas utilisées. Je pense à la Oden, tu sais, sur Modern Warfare, c'est pareil, l'année dernière, la Oden, je la trouvais tellement puissante, tellement efficace, tellement sous-cotée. Personne qui joue avec. Personne. C'est encore le cas actuellement. Là, je trouve que c'est à peu près pareil avec la G11. Elle est ultra efficace et pourtant, tu la vois très très peu en multijoueur. Tu te dis, pourquoi? C'est vraiment le truc le plus invraisemblable ever. Bon, par contre, il y a Cartel, donc on va aller, je vais quitter. Je vais vraiment essayer de trouver une petite map. Si possible, je répète. Bon là, Cartel, déjà, ça fait chier avec les feuillages et tout. Mais en plus, on va la jouer avec la PM63. Bon, c'est possible, mais ça pourrait être un peu relou. Donc, je vais un peu me faciliter la tâche, tu vois, avec une petite map. Mais si je fais vraiment le bilan sur cette G11, voilà, sur cette carte 2, une arme exceptionnelle. Pour moi, c'est le meilleur fusil tactique de ce Black Ops Cold War. Très bon, très bonne cadence, exceptionnelle, hein, limite comme si tu avais une arme automatique, très très bonne précision également, une arme très stable. Dégâts du coup, on peut le dire mauvais, mais on s'en fout clairement, rattrapé du coup grâce à la cadence. Et la portée, elle est tout à fait basique. Gros point aussi positif du coup de l'arme, même double gros point, bon on l'a déjà évoqué pour le premier, c'est forcément le chargeur de 45 balles initialement, ça aussi c'est incroyable. Mais aussi du coup,
La mire de la géance qui est super bonne, je trouve. Elle est trop trop précise. Un visuel bien dégagé et tout. Donc tu vois, dans les situations de longue distance, comme ça, t'es pas gêné par la mire. Elle permet vraiment d'enchaîner comme ça les tirs à longue distance. Donc ça aussi, c'est une très très bonne chose. Un très bon point positif pour cette arme. Donc voilà, je pense que là, j'ai tout énuméré. On passe donc au second gameplay. Bingo! En voilà une de petite map. Alors c'est pas non plus la plus petite map du jeu, loin de là, avec Standoff. Mais je pense que pour jouer du coup avec la PM63, ce sera largement suffisant. On va donc commencer avec la première classe que je vous avais présentée. Donc celle qui est vraiment en mode PM63 de Black Ops 1. Et vers la moitié de la partie, je switcherai du coup sur la version Akimbo. Avec laquelle normalement j'aurai bien plus d'efficacité. Et ben on est parti, hein. Une arme qui est quand même assez traître au niveau de son utilisation parce que c'est un pistolet automatique. Donc tu vas vraiment avoir tendance à l'utiliser comme une mitraillette, surtout que bon, à l'époque sur Black Ops 1, c'était une mitraillette. Sauf que forcément, étant donné que c'est un pistolet, bah, on va avoir tous les désavantages de cette catégorie d'armes. Alors tu auras également les avantages, mais là ce qui nous intéresse le plus, c'est surtout les désavantages. Donc oui, ils seront présents. Je parle notamment du coup de la portée qui est forcément pas très élevée. Et il faudra faire avec, hein, donc forcément, ici, toujours de manager pour se retrouver le plus au corps à corps face aux adversaires. Pour ne pas devoir caler je ne sais pas combien de balles afin de les éliminer. Donc ça ouais, c'est le truc le plus traître, le plus compliqué à gérer quand t'as avec la PM63, c'est les distances. Parce que vraiment, quand tu te retrouves à moyenne distance, ça commence déjà à être un peu compliqué. Et quand t'es à longue distance, bon, tu peux peut-être tuer l'ennemi, mais il faudra vraiment qu'il rate tout son shoot. Et toi à côté, t'es un shoot parfait, en même temps que tu sois également assez efficace, quoi. Sinon, ça ne passera pas, ça ne passera clairement pas. Donc ouais, c'est la petite traîtrise que peut nous proposer cette arme. Bon là, on va pas tenter, tu vois, d'aller là-bas, parce que c'est un mec qui m'attendait de glitch. Je suis mort à 100%, ça a le mérite d'être clair. Plutôt essayer, ouais, toujours de contourner un peu, c'est ça, hein. Ou alors même de gratter des assistances. Ça peut toujours être profitable, ça aussi. Oh, mais en même temps, quand t'es au pistolet, limite, t'es constamment en train d'aller chercher les assistances, hein. C'est des free kills, de toute façon. Ah ouais, par contre là je rechargeais. Aïe 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 aïe. Le pire c'est que si je l'avais vu avant, tu vois, j'aurais pas eu la nécessité de recharger, j'avais assez de balles dans mon chargeur. Parce que ça au moins c'est assez bien quand même avec la PM63. C'est que t'as pas non plus besoin de recharger après chaque ennemi tué. Alors si t'as dépensé beaucoup de balles, oui. Mais sinon il y a largement moyen de tuer deux ennemis avec un seul chargeur, hein, c'est pas un problème. La preuve ici présente, voilà. C'est magnifique, j'illustre mes propres propos. Là, tu vois, en plus, c'était le même mec, je crois, qu'on a tué, du coup, là, de manière consécutive. Mais vraiment avec un seul chargeur. Donc, ça passe vraiment très bien, parce que, bon, on n'a pas une énorme cadence avec la PM63. C'est que les 25 balles vont pas non plus partir en un claquement de doigts. Après, est-ce que c'est un avantage ou non, là, de pas avoir beaucoup de cadence? Honnêtement, ça gêne pas. Ça gêne pas qu'elle ait pas énormément de cadence. Donc, je dirais que non, c'est pas un point négatif. Ça aurait gêné, oui. Mais là, non. Je pense d'ailleurs ça aurait peut-être plus gêné si justement on avait une grosse cadence. Parce que pour alors, les 25 balles, ça aurait clairement pas suffi. Oh, ça c'est sûr. Bon, ça a l'air d'avoir du coup un peu tourné les spawns. Ouais, ça a peut-être passé par là. Soit le gars il passe par là, soit il passe vers le top, rusher mon allié. Il a rusher mon allié. Au top. Reste au top, s'il te plaît, par contre. Il est passé où? Oh, le bougre! Il est là, il est là. On l'a retrouvé. Il ne tuera pas un autre allié, hors de question. Je suis là pour les dés. Ah merde, par contre, j'ai lancé mon drone, mais il y a un drone de brouillage. On va faire avec. Oh, ouais, bon, là, tu vois, tu te fais sécher. Après, c'est pas parce que t'es au corps à corps que t'as non plus une grosse assurance d'efficacité avec la PM63. Hein, parce que bon, des mecs avec une bonne mitraillette, forcément, auront quand même plus d'efficacité. Encore une fois, ça reste un pistolet, hein. Faut pas l'oublier. Donc, oui, même ça, c'est pas non plus un gage de réussite. Ok, nickel. Eh, pour l'instant, en vrai, je me tape même pas beaucoup d'assistance. Hein. Et tu vois, même sur des situations comme ça de moyenne distance, certes, tu perds pas mal en dégâts. Mais par contre, la précision est quand même plutôt bonne, je trouve. Hein. C'est un pistolet automatique, ouais, plutôt précis dans les faits, quand même, cette PM63. Donc ça, c'est quand même un plutôt bon avantage. Hein. Même si tu n'iras pas trop chercher ces situations-là de distance. Toujours moyen un peu de te défendre, tu vois. Bon, là, malheureusement, ça n'a pas suffi pour tuer cet ennemi. Est-ce que je tente d'y retourner là? Ça passe cette fois. Bon, missile au croisière, me dis pas que c'est ennemi, sinon il est. Pour moi, oui, forcément, voilà, je les call. C'était trop prévisible. Oh, y a toujours pour moi. Ouais, je chope mon petit cul tranquillou, normalou. Et il y a le missile de croisière qui vient me chercher après. Ça goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein, selon moi. En plus, là, on est vraiment dans l'équipe qui perd, donc ouais. Aïe aïe aïe, c'est pas facile.
C'est pas facile comme game. Ah oui, bah surtout en voyant maintenant le score des alliés, oui, je maintiens. Moi, ça va encore, tu vois, je fais pas trop de la merde pour l'instant. Surtout que, enfin, avec la Kimbo, ce sera encore mieux. Mais les alliés, là, in the sauce, hein, c'est pas possible d'avoir de tels alliés. C'est pas possible. Tu vois, j'aurais préféré avoir de tels alliés quand on était avec la G11. Ça aurait été un peu moins gênant avec une arme si efficace. Voilà, pistolet automatique, tu préfères quand même avoir des alliés un minimum compétents pour maintenir le niveau, on va dire, ouais. Possiblement. Bon, là, du coup, ils sont à ce niveau-là. Je crois que ça m'était pas destiné à la petite rafale que j'ai entendue là. Je sais pas. Encore une fois, de toute façon, il y a du monde et je suis pas sûr que lui il était tout seul, donc attention, ça va peut-être arriver. Au pire, attends, je vais mettre ça là. Ça me gênait, voilà. Ouais, tu vois, ça arrive. Ia, dommage, 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 dommage. C'est ça, tu vois, quand même, quand je suis vraiment au corps à corps, c'est peut-être comme le manque de cadence, ouais, qui me porte préjudice par rapport à des mitraillettes. C'est peut-être ça qui porte un peu préjudice, mais bon. Faut pas du tout s'attendre, de toute façon, à l'efficacité d'une mitraillette avec un pistolet automatique, hein. Tu t'en sors quand même assez bien, je trouve, mais c'est sûr que t'es pas à ce même niveau d'efficacité. Oh, par contre, j'avais pas vu, mais il serait peut-être temps déjà en fait de switcher. Ah ouais, mais en fait, la game est tellement rapide au niveau des kills des ennemis que oui, il est déjà temps de changer, tu vois, sur la version Akimbo, mais j'en aurais pas tant que ça profité. Aïe, 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 lui, il m'attendait accroupi là. Bon, attends, on va peut-être pouvoir se venger, mais cette fois-ci en mode Akimbo. Bon, normalement, il est pas parti bien loin, de toute façon, le parc. Voilà, hop, regarde ça. Cette grande efficacité. Avion de contre-espionnage ennemi en approche. Là vraiment on a moyen un peu plus d'aller les rusher. Après bon forcément si on se retrouve à très longue distance là on aura toujours une même problématique. Surtout une problématique de dégâts, moins que de portée. Aïe aïe aïe! Enfin de dégâts que je raconte, de précision. Bon c'est exactement ce qui vient de se passer là, tu vois, j'ai pas trop réussi à le toucher. Le petit ennemi gosse. Mais attends, on va hop, aller chercher. Voilà. Ouh, il y avait l'autre du coup. Je me casse, je ne tenterai pas. Putain mais par contre on se fait vraiment démolir, hein. Ça n'a plus aucun sens là. Oh, je serais prêt limite, tu vois, à faire. Putain, je me disais bien aussi, attends, c'est pas un cadavre ça. Putain, l'autre il en a profité du coup pour venir. Mais ouais, je serais prêt peut-être à faire un début de partie là, à nouveau avec la PM63. Pourquoi y'a personne? Y'a personne. Attends, c'est pas possible ça. Et pourtant, on est que 3 nous, et eux ils sont 6. Donc ça devrait pas être ça, ce cas de figure, non, 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 ça devrait être le contraire. Je vois des ennemis de partout avec mon missile, mais je vois pas d'alliés. La trouille aérienne, on s'en fout. Là, normalement, ouais, il y a du monde. Aïe, 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 dommage. Ah, mais là, c'est chaud, quoi, on est plus que 3. Donc, ah oui, pour trouver des ennemis, c'est pas trop complexe. Mais par contre, pour pouvoir lutter contre eux, ça l'est, là. Hein. Surtout que, bon, quand je vois mes deux alliés, là, sur la minimap, ils ont pas l'air beaucoup de bouger, hein. Ils sont plus en mode tourelle, là. Délicat, cette fin de game. Je pense qu'on va pas tarder à lâcher la machine de guerre. De toute façon, oui, presque maintenant ou jamais. Ah, y a la fin de partie. Là, je croise juste les doigts pour qu'il y ait des alliés qui puissent rejoindre. Parce que vraiment. Oh, ça, ouais, ça va être lourd hein, sur la fin de partie là. Hein. Cet aspect de grosse, grosse infériorité numérique. Il y a quand même le double de joueurs en face, hein, tu te dis ça, ouais. Sympatoche, quoi, comme anecdote. Bon. Allez, go machine de guerre. Ah, c'est qui tout doux parce qu'aussi bien je vais me faire démolir en fait en 2-2. Mais après, bon, je peux très bien enchaîner aussi les kills avec. Donc, allez, on tente, hein. Et vu qu'on est que 3, ah, il y a un mec là qui a posé. Hein. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. Putain. J'ai activé ma machine de guerre, il m'a one shot avec sa gémose. Aïe, 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 coup dur sur la fin de partie. On avait une bonne game entre les mains pourtant, c'est ça qui est triste. Mais. La bonne game n'a pas pu être du coup maintenue. Enfin, elle est encore assez maintenue, ça va, mais. Ça aurait pu être bien mieux si j'avais pas été. Là, je suis limite tout seul hein, maintenant en plus. Hein. Oh la tristesse. Limite, je vais camper avec eux là dans ce bâtiment. Parce qu'il y a lui, du coup, l'autre, je sais même plus où il est, mais. On prend la position ici, quoi, maintenant. On en est là. Hein. Oh la tristesse du truc. Je mets ça, mais ça sert à rien parce qu'on n'a même pas, on a même pas de mini-carte. C'est ultra hard. Bon, je vous propose quand même le gameplay, mais c'est sûr que ouais, j'aurais préféré comme un autre gameplay, tu vois, pour vous présenter cette PM63, parce que là, alors ça reflète quand même du coup l'arme, mais qu'on soit dans cette situation, c'est un peu moins bien. T'as encore drone de bruyage, donc là, on est bloqué de toute façon, spirale infernale. Il vous valait mieux
La bonne spirale infernale du on ne peut plus rien faire. Oh putain, il y a un sniper en plus. Je suis vraiment obligé de les attendre ici. Oh, ah, oh la double. Putain, il y a quand même l'air 6D que je me prends derrière. C'est pas juste, c'était pas mérité ça. Vas-y. Bon, attends, on va aller chercher là-bas. Et même ici, il y a du brouillage. Il y a du brouillage de partout. Il y a des micro-bugs aussi dans la game, j'ai l'impression. Je sais pas si ça vient de Mako. Ou de... Ah putain, lui au top. Ou de la partie en elle-même. Commencez pas à camper par contre, vous êtes 6 là. Venez nous chercher aussi. Faut aucun effort les ennemis. Hein. C'est à eux normalement de prendre l'initiative, tu sais. Mais non. C'est moi qui prends l'initiative là, clairement, d'aller les rush. Sans aucun doute. Voilà, c'est sûr. Oh putain, je l'ai vu, il y a sa petite tête qui dépassait, je n'y vais pas. Ok, ça passe. Et l'autre, il est à la fenêtre, hein, j'ai vu sa petite tête. Hein. De fouine là. Oh la fouine. Aïe, aïe, aïe. Bon, on fait quand même du 36. Mais je serais peut-être partant, ouais, pour faire une moitié de game. Je ne fais ça jamais, en fait. Quand je fais une game bonus, je fais vraiment une game bonus, genre, elle est entière. Mais là, c'est peut-être pas... Ah, quoi que, après, on peut faire une game mi-G11, mi-PM63 aussi. On peut faire ça. Là, les conditions étaient pas évidentes, hein. Pas évidentes du tout. Mais je m'en sors bien, parce que... Il y en a un, il fait du 17 et l'autre, j'ai pas vu. L'autre, j'ai pas vu, mais. Mais ça n'a pas rejoint en plus, c'est ça le pire. On est vraiment resté du bout en bout à 3. Donc, si je dois dire davantage de choses après sur cette PM63, bon. Au niveau des stats, hein, si je résume à nouveau, c'est du coup en termes de dégâts, on est quand même sur une bonne stat de dégâts, je trouve, surtout pour un pistolet quand même. Après, bah, la portée, forcément, elle est bien réduite. Rien d'étonnant à ce niveau-là. Une cadence plutôt moyenne qui est pas folle non plus. C'est pas une cadence vraiment de mitraillette typique. Et pour terminer, la pression qui est quand même plutôt bonne. L'arme est plutôt stable, bon surtout quand tu mets les bons accessoires. Ce qui lui donne quand même un petit avantage. Après, les 25 balles dans le chargeur, du coup, c'est pas trop néfaste. Au vu justement de sa cadence. Donc non, vraiment une arme bien kiffante à utiliser. La PM63, elle est quand même plutôt efficace. Vous l'avez vu surtout en Akimbo, ça faisait largement le taf. Donc non, en somme, hein, vraiment, c'est une très très bonne arme, un très très bon pistolet sur ce Black Ops Cold War. Après, bon, c'est pas le seul très bon pistolet qu'on a sur jeu. On sait très bien que le Diamati, lui, il fait aussi très très bien le taf. Voire même un Magnum 1911 Akimbo. De toute façon, en fait, dès que tu mets les pistolets en Akimbo sur ce Cold War, tu les rends diablement efficaces. Parce que, tu vois, c'est valable pour cette PM63, mais c'est aussi valable pour les 3 pistolets qu'on a depuis la sortie du jeu, donc... C'est même pas une surprise en fait, hein. C'est limite méta que sur ce Black Ops Cold War, dès que tu mets un Akimbo sur un pistolet, allez, ça part sur, sur une démontada pour les ennemis, littéralement. Bon, tant mieux, nous on en profite, donc on va pas s'en plaindre. Hein. Allez, un petit apocalypse du coup. Donc ouais, je sais pas si je vais faire la partie entièrement, hein, si je vais plutôt jouer mi-G11, mi-PM63, je sais pas, on va voir. Ça dépend de mon feeling au niveau de cette game. Peut-être que là, tu vois, je vais commencer la game, je vais vite déchanter, je vais me dire, ouf, alors on va peut-être faire juste une moitié de game, ce sera largement suffisant. Ou alors, je vais prendre mon pied, ça va bien enchaîner dans tous les sens et tout, et pour alors, bon, tant rester du début jusqu'à la fin. Bon, je peux vous le confirmer, j'ai vite déchanté sur Apocalypse. Oh là là, c'était pas possible, c'était encore une fois incroyable à quel point j'étais avec les pires alliés. Au moment du coup où j'ai quitté la partie, il y avait littéralement 30 à 10 environ, j'arrondis forcément, pour l'équipe adverse. Donc ils avaient déjà le triple de nos kills. Est-ce que c'est normal? À aucun moment. C'est pas du tout normal. Et le pire dans tout ça, c'est que de mon côté, j'avais plus de la moitié des kills. Rien que pour moi. Par rapport du coup à mes 5 alliés, parce que c'était bel et bien du 6v6. Hein, c'est pas comme sur stand-off. Donc tu dis oui, il y a un réel problème. Et donc là, non, deux fois d'affilée, je me ferai pas douiller. Cette fois-ci, je quitte. Contrairement à stand-off. Surtout moi, je voulais juste faire une game bonus, pas me faire douiller de cette manière. Ah bah non. Donc là on se retrouve du coup sur Miami, game déjà commencé. Mais en même temps ouais ça suffira pour cette game bonus. Hop. Bah oui tu vois j'ai bien eu raison de le tenter à PM63. C'est passé. Et là je vais la garder de toute façon Akimbo en la PM63. Flemme de changer. Et du coup je vais jouer un peu PM63 et un peu G11. On va diversifier les plaisirs. Pour l'instant diversifier les plaisirs. Ça fonctionne plutôt bien. Et toi, je t'ai vu, hop. Voilà, G11. Bon après là, vu comment ça part, et en même temps on est sur Miami, donc c'est pas si étonnant. Ça va beaucoup jouer avec la G11, je crois. Non, je vais essayer aussi d'utiliser du coup la PM63, mais c'est vrai que là quand même on est plus dans des situations de longue distance avec Miami. Hein.
Par contre, il y a du monde là au middle. Allez, on va tenter d'y aller. Ça m'a l'air d'être un peu le piège, mais on peut tenter ouais, d'y aller quand même. Là, je suis en série, non? Je suis en petite série là quand même. Surtout pour débloquer les streaks. Oh, 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 oh. S'il te plaît, l'allié, meurs, 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 l'allié. Je veux que. Merci, voilà. Ça, c'est un bon allié là. Il t'écoute. Il fait ce que tu demandes. J'aime bien. Il y a de l'autorité dans mes paroles ou pas? Je pense un peu peut-être. Hein. Alors, est-ce que ça continue à spawn ici? Le spawn, il a pu tourner comme il a pu se stabiliser. J'en sais trop rien. Ah, mais regarde là, la PM63 à cette distance. Bah voilà, comme quoi tu vas quitter. C'est pas inutile. Quand tu vois que cette game de Miami est quand même bien plus kiffante que celle sur Apocalypse, là on a une vraie game équilibrée, tu vois, entre les deux équipes. Là, il n'y a pas de 30 à 10 pour une équipe adverse. Pas du tout. Il y a 50 à 49. Tu peux pas faire plus équilibré. Enfin, si, tu peux faire 50-50. Mais bon, je ne compte pas sur les chiffres. Déjà, très très bien comme ça. Voilà, c'est ce que je recherche. Ah, mais il reste une minute. Putain, j'avais pas vu. C'est quoi cette game? C'est bizarre parce que moi j'enchaîne les kills. Mais comment ça se fait que du coup il n'y ait plus qu'une minute 30 et qu'ils sont à 50 kills? Il y a un réel problème dans cette partie aussi. Hein. Alors, c'est pas un problème qui me dérange. Mais il y a quand même un problème du coup. Parce que. Comment ça se fait, ce genre de scénario là? Encore si je pourrais galérer, tu vois, là, à faire des kills, je me dirais, bah oui, en fait, c'est la game hein, qui fait ça. Mais là, c'est pas forcément le cas. Bon, quand je dis ça, là, forcément, tu vois, je croise plus personne, sauf un mec dans mon dos. Pas très cool comme situation, ouais, je retrouve mes mots. Mais ouais. Alors, toi, je t'ai vu, vas-tu te repointer? Parce que là, on te dégomme avec la G11, en principe. Il va pas se repointer, j'ai la flemme d'attendre pour le peu de temps qui reste dans la partie. Je pense que c'est pas worse. Ah, ils sont 5 en face, ouais. Ouais, 5 contre 5. Je trouve que Miami, vu que c'est la plus grande map. Il était où? Il était dans le coin, lui. Oh putain, ouais, il était dans le coin, effectivement. Alors, ça peut paraître très obvious que je vais faire là de le prendre complètement à revers comme ça. Ouais, mais il est pas très intelligent, donc ça passe. Désolé, hein, je suis peut-être un peu médisant en disant ça, mais il faut avouer que là, il était pas très intelligent, quoi. Et lui, ouais, pas mieux, hein. En fait, peut-être que je retire mes propos, parce que là, tu vois, on vient de se faire enchaîner par deux campeurs, hein, d'affilée. Enfin, deux campeurs, non, le sniper, ce qui est pas un campeur, mais... Ah, quand même, hein, bon, petit 10-2. Mais je reste encore sur ma fin, du coup. La vidéo ne s'arrêtera jamais, je voudrais toujours faire des games. Ouais, mais j'avais pas vu quand je suis arrivé dans la partie aussi qu'on était sur... sur un tel scénario avec très peu de temps restant. Du coup, j'ai encore envie de faire une micro-game. Mais pas entière, mais une micro-game. Bon, allez, ça repart, vas-y. Cette vidéo ne s'arrêtera jamais, je sais, c'est un scénario bizarre. Mais ça, c'est de la faute de la game de Standoff qui s'est pas passée comme prévu. Puis après, ça a enchaîné avec Apocalypse, où c'était injouable. Et là, du coup, Miami, c'était pas injouable, mais c'était beaucoup trop court. Il y a toujours un petit problème. Bon bah du coup on se retrouve dès que la prochaine game s'est lancée, sinon on va rester encore dans les menus, ça va prendre du temps. Bref, passons directement à la prochaine et dernière partie, qui sera cette fois-ci normalement très très rapide. Est-ce que je vais enfin pouvoir mettre un terme à cette vidéo? Normalement oui, cette fois, c'est la bonne. Allons-y du coup sur Express, donc normalement je vais pas faire l'intégralité de la partie, on va peut-être plus s'arrêter vers la moitié, vers les 51 nations, à voir. Mais let's go du coup. Alors c'est peut-être pas la meilleure map pour profiter à 100%. De la PM63, mais là j'ai plus la patience hein, de chercher expressément, tu sais, une petite map pour bien se faire plaisir. Non, c'est bon, si on compte Apocalypse, faut pas oublier que c'est au moins la cinquième partie là. Au bout d'un moment, trop c'est trop, faut savoir s'arrêter. Oh merde, oh, non, 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 non. Oh là, le mauvais timing, le gars qui monte sa petite tête, tu sais que tu les passes. Non, hors de question, je vais pas pouvoir te fumer avec la PM63. Voilà. Alors j'aurais eu la G11 dans les mains, par contre, j'aurais eu moyen de s'en sortir. Mais avec la PM63, c'est un grand nope qui résonne dans ma tête. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Hein. Je vagabonde un peu dans la garde express. Mais ouais, sans de grandes réussites. Bon, là, il n'y a plus personne. Ah, j'ai peut-être rien dit. Non, il y a peut-être quelqu'un. Si y a mon allié qui est mort, c'est que oui, il y avait bel et bien quelqu'un. Bon, on n'en saura pas plus. Non, les spawns ont tourné, donc ils sont de ce côté maintenant. Ah, bah oui, effectivement. Là, il doit y avoir peut-être du monde du coup en contrebas. Eh ben non, tout le monde est mort. Ouais, je sens que ça va être le genre de partie d'express là où vraiment les spawns ils vont tourner H24. C'est pas forcément le truc le plus profitable quand je joue PM63 parce que du coup ça me fait vraiment déplacer dans tous les sens.
Là, vraiment, on est prêt pour une randonnée limite sur Express. Bonjour, bienvenue dans la randonnée Express. Un plaisir de vous accueillir. On s'amuse, n'est-ce pas? Non, allez, ça va le faire, ça va le faire. Ça va clairement le faire. En plus, j'arrive à trouver là les bonnes petites circonstances pour profiter de la PM63. Pas non plus cracher dans la soupe. Ouais, il y a peut-être moyen, lui, par contre, d'aller le chercher. Même si s'il m'attend viseur fixe, je serais bien deg. Mais c'est pas le cas, donc tout va bien. Je n'ai pas de quoi être deg. Je t'ai vu aller dans le coin, petit filou, tiens. Viens pas le train là, par contre, c'est pas le moment, sinon je vais me faire écrabouiller, moi. Tel de... un vulgaire insecte. Tout va bien, tout va bien. Ah, bah enfin, on va pouvoir la terminer cette vidéo. Je pensais vraiment que jamais elle allait s'arrêter et que dans 3 jours j'y serais encore en mode. Bonjour, bienvenue dans cette 40e partie. Pour la présentation des nouvelles armes avec la G11 et la PM63, je suis très fatigué, mais malheureusement, il faut continuer. Oh, tu sais, le truc spirale, la spirale. Ouh, attention! Non, non, non! Ah, dommage. J'ai eu le kill? Oui, j'ai eu le kill du coup, vu qu'il s'est fait tuer par la mine, j'ai eu l'assist. Moi, je l'ai pas vu, mais oui. Et limite, j'aurais quand même pu le tuer parce que tu vois, j'avais le stimulant, du coup, bon, je pouvais pas tirer avec les deux Ankibos, mais je pouvais quand même tirer avec l'arme de droite. Donc ça a quand même failli passer, hein, tellement que la PM63 ça fait le taf. Tu tires avec une seule des deux, ça fait le taf, t'inquiète. Enfin t'inquiète. Oh, faut pas exagérer non plus, hein, vaut mieux tirer avec les deux à la fois, c'est beaucoup mieux. Mais tu gardes quand même un minimum d'efficacité en jouant avec une seule des deux. Si ça c'est pas beau. Ouh, lui par contre il nous a mis un beau truc, hein, un sale truc même. Si ça c'est pas beau, ouais, je sais pas ce que c'est, hein. Bon là, ouais, vraiment on fait en fait un va-et-vient gauche-droite. Un coup il spawn à gauche, un coup il spawn à droite. Et nous on s'amuse à se balader dans toute cette histoire. Personne ce coup-ci, non. Donc ils sont de retour de l'autre côté, hein, j'imagine bien. Bon là il y a quelqu'un, mais je crois qu'il est parti. Il a, hop. Oh là, cette efficacité, tu vois. Ouais, c'est là que tu vois quand même effectivement que cette version Akimbo est plus efficace que la version d'Akimbo. Rien que le fait de pas devoir viser, plus de rapidité du coup au niveau du tir. Moins de précision nécessaire également, ou juste qu'elle livrait bien du coup les petits viseurs laser sur les ennemis, c'est bien plus simple. C'est que des avantages pour alors, c'est que du bénéf. Hop, regardez-moi ça. Non mais limite, je pense que la PM63 peut être plus efficace que le Diamati en comparaison. Pour moi, le Diamati c'est le meilleur des trois pistolets, surtout quand tu le mets en Akimbo. Mais en vrai, PM63, il a quand même un peu moyen de gratouiller, hein. Niveau efficacité, on en est vraiment... Bah, pas loin, oui, on en est pas loin, ça c'est sûr. Mais après, on est même bien au-dessus, en fait, hein. On peut le dire, on est au-dessus. Pas de grand-chose, parce que... Il fait aussi très mal, hein. Le Diamati Akimbo, quand il va avec, t'inquiète pas, les ennemis seront chamboulés. Mais ouais, ça fait largement le taf, ça c'est une bonne certitude. Alors là, non, il y a quelqu'un... Ouais, là, t'es collé à l'ennemi. Ça déconne pas non plus. Allez, reviens là, reviens, vas-y, vas-y. Ouais, ça dégage, hein. Fais pas le mariole. Mais je crois que je vais la faire complète en fait la partie parce que là elle est rapide, elle est fluide. On est déjà aux 60 éliminations, j'ai même pas vu passer. Donc, ouais, on peut même profiter pour terminer la game en fait, hein. Non, mais je veux pas m'arrêter en fait de jouer. Je kiffe tellement ces deux armes que ça me dérange pas en fait de refaire des games en boucle. Voilà, c'est tellement le kiff que. Qu'on ne s'arrête plus, on ne s'arrête littéralement plus. Bon là je vais quand même mettre le petit missile. C'est bon, profitons de ce que j'ai pu débloquer. Même si je sais très bien que sur Express ça fera rien du tout. Voilà, regardez, là je vais même pas faire un kill. Oh, la décadence, la dissidence, l'éclatadence. Ça n'existe pas, c'est un mot que je viens d'inventer. Mais c'est tristounet ça, c'est très tristounet. Ah, bon, lui il a sauté. Ouais, en plus là on a de l'hélico donc ça va encore plus accélérer. J'en ai marre les timings par contre de machine de guerre, hein. Putain, c'est horrible quand t'as la machine de guerre comme ça et que t'as un mec un peu dans un escalier. Du coup tu peux pas tirer au sol donc si tu veux le tuer t'es obligé de lui mettre un direct impact. Et ça passe un peu plus difficilement, surtout t'es pas trop préparé. Bon bah le jeu m'incite finalement à jouer vraiment que avec la PM63 et la G11, hein. Je pense que c'est juste ainsi le truc. Oh là toi je vais pas y aller, hein. À la prochaine. On va peut-être plus essayer de le contourner, lui. Mais ouais, voilà, du coup, ça me fait jouer davantage avec ces deux armes. Vu qu'on me laisse pas profiter de mes killstreaks. Ah oui, lui, par contre, il nous a stoppé net aussi. Merveilleux.
Merveilleux, merveilleux. Ils ont quitté en face. Oh putain, ils ont quitté. Bon, bah finalement, on va pas finir la game. On va quitter aussi. Oh, ils sont plus 4 la flemme, honnêtement. Allez, c'est bon, hein. Il est vraiment temps de s'arrêter cette fois-ci pour cette vidéo. Bon, j'espère en tout cas que cette présentation de nouvelles armes, là vraiment j'ai tout dit sur ces deux armes, il n'y a plus rien à dire de toute façon. Donc j'espère qu'elle vous a plu, cette présentation des nouvelles armes. Si c'était le cas, likez, commentez, partagez, ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense, bien évidemment, surtout pour cette patience. Il en a fallu de la patience hein, pour cette vidéo. Alors ça avait commencé calmement, mais dès qu'on est parti sur stand-off pour la deuxième partie, ça a été le chamboule tout. Hein, et à ce moment-là, oui, il m'a vraiment fallu beaucoup de patience pour continuer la vidéo. Donc rien que pour ça, là, il faut tout bombarder. Vraiment, ce serait la meilleure des récompenses possibles. Et sur ce, je vous dis donc, bye tout le monde. Oh yeah!